Allez. Est-ce qu'on a pas le score du PSG dans le chat? On s'en fiche de ça, putain, on parle de Smash Bros, là, on parle pas du foot. Allez, messieurs, dames, c'est parti. Arima contre... Tombéry, pas du tout, Jin. Contre Jin. Arima contre Jin en loser semi. Du coup, forcément, c'est Inkling contre AKA The Best Jigglypuff France. Excusez-moi, je suis mauvaise langue. Bref, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Avec un Arima qui a écrit ses lettres en très gros avec des points, comme pour l'épeler. Au cas où il oublierait comment il s'appelle. Non, je rigole, évidemment. Donc là, il y a de l'angle directement sur Ondoubou, donc tu vas... Vous voyez, il a hésité à approcher quand même avec l'angle sur lui. Très bonne phase d'Arima, ça. Ok, le petit nerf. Voilà. Bien vu ça. Le nerf, il va pas pouvoir tuer, mais en tout cas, du côté de Jin, on a vraiment le contrôle du stage pendant extrêmement longtemps, parce qu'évidemment, on se sert du nerf qui a des très très longs lags. Évidemment, le backer qui va peut-être aller chercher la stock. Non, 125, c'est pas suffisant, le petit nerf. Encore une fois, vraiment, c'est le nerf tous les jours, hein, côté... C'est un rematch, en fait. Bah oui. Il y a déjà eu Jin contre Arima. C'est vrai en plus. Ça c'est très vrai, évidemment on va pouvoir remonter. Jin s'était imposé même temps. Là pour le moment Jin qui prend l'avantage sûrement sur la première stock. Complètement. Donc pas une fois qui n'hésite pas à aller chercher en dehors du terrain Lion King. N'hésite pas. Bah non, forcément, quand tu t'appelles Rondoudou, t'as tous les intérêts à aller offstage, hein. Surtout contre Inkling qui certes a une très très bonne recovery, mais regarde, tu vois, tout simplement, il le balade, hein. Il est même obligé de mix-up Sarico, malgré le... Vraiment, là, Arima, enfin, Jin, il balade son adversaire, hein. Vraiment, il lui fait tout ce qu'il veut. Non, mais directement... Oh, mais c'est si intelligent. Alors ça c'est une... je vais dire une douille, mais c'est quelque chose qui se fait énormément... Mais il est si fort en vrai. Je comprends mieux pourquoi on l'appelle le meilleur rondoudou. Meilleur rondoudou EU. Hein. Mais regardez ce qu'il nous offre. Hein. Vraiment, c'est incroyable. On ne l'a pas encore vu faire un rest sur tout le stream de cette soirée. Hein. Si, tout à l'heure il a fait un rest. Mais si, je l'ai vu tout à l'heure contre Pandaru. Même. Il a fait un. Je sais, peut-être pas contre un Pandaru. Un game. Voilà, regardez, en plus il continue. Parce qu'après le reste, c'est quand même un gros commit. Après, bon, si t'es assez bon, tu peux en effet le placer assez facilement. Ah oui, il a touché un reste. Parce qu'il s'est endormi plusieurs fois contre Panda, c'est vraiment. C'est ça. Je crois qu'on n'a pas beaucoup touché. Parce qu'après le reste, ça reste difficile la place. Il n'y a pas besoin du reste pour tuer avec ton monument. C'est ça, ouais. Il n'y a pas besoin d'Edgeguard. Exactement, surtout que Rondoudou pour Edgeguard c'est l'un des meilleurs, hein, pour le coup, il peut rester des années en l'air. Pareil, on l'a vu mettre qu'un seul smash il me semble dans tous les matchs, c'est quand il avait endormi quelqu'un. Bah là pour le coup c'était quand tout à l'heure il avait réussi à endormir Arima, donc forcément ça te permet de récupérer la stock avec un petit backer bien placé. Regarde, tu vois, il essaie de les placer les backers, il y aura le F-Tilt qui va mettre offstage, 161% du côté d'Arima, et ça va être maintenant qu'il va chercher la stock, non pas encore, le petit pari là-dessus. Mais là, il peut pas. C'est impossible. 1-0 pour Jin. 1-0 pour la première game. 1-0 pour Jin, donc très très bien joué à lui. Du coup, on fait les bandes de map. Juste, ça. Alors ça. TC, Kalos, BF. Donc ça bonne. Il a ban les deux grandes maps et BF. Ça a du sens en vrai. Les combos de l'infini de Inkling. Non, ça a du sens de faire ça en vrai. Ça a du sens. Bah, on va voir où est-ce qu'Arima va aller emmener son adversaire. Oh, PS2, très bien, ok. Smash c'était vraiment trop petit. Ouais, je pense aussi. Bah, Smash on va prendre plus d'espace. On va voir si ça change le résultat. Et le robe directement d'Arima. Donc Arima qui okay. Le robe dernièrement. Ok, le robe. Il cherchait un secondaire. Non, c'est Gardien aussi. Il t'a fait un robe, mais il va pas le jouer du coup. Putain, mais je suis un tocard, quoi, c'est impressionnant. Et non, pas de robe pour cette fois, mais toujours un Inkling qui est vraiment déterminé à récupérer la game et peut-être emmener son adversaire dans les tréfonds et même très très loin dans le bracket. Tu vois, il se fait vraiment edgeguard dans tous les sens. Ok, peut-être un bouillard. Non, pas de bouillard. Ça va pas pouvoir toucher. Arima qui a réussi à sortir et mettre des poussins quand même. On voit que l'effet de
les phases de Link qui mettent des bons coups. Ouais, mais 53 ça va peut-être pas être suffisant parce que regarde là, il a besoin de remonter sur le champ de bataille et regarde, tu vois, Jin il le laisse vraiment pas, il le laisse vraiment pas respirer. Et tu vois, depuis tout à l'heure, Arima il cherche une ouverture sur laquelle il pourrait se reposer, sur laquelle il pourrait avoir son avantage, mais c'est sans compter le nerf de ce rondoudou qui envoie tout simplement super loin. Le nerf de ce rondoudou envoie beaucoup trop loin. Et vraiment, Arima, il a du mal à s'imposer sur ce match. Vraiment, il a du mal à s'exprimer et à dire ce qu'il a à dire. Non, c'est un match-up, on ne travaille pas tous les jours, rondoudou. C'est ça. Alors, en soi, des rondoudous à Lyon, il y a Pandarou un petit peu. Il y avait Nemesis. Parce que je dis il y avait parce qu'on ne voit plus beaucoup. Oh, quoi, ça passe ça. De fuck. Par contre, rondoudou, c'est léger, mine de rien. Ça s'envole très très vite, mais c'est surtout, moi, je suis étonné en fait que ça a touché en fait. Je suis étonné que ça ait touché. Regarde, tu vois, Ledjin, il trouve un hit et vraiment ça repousse vraiment très très loin. Ça met 51% à l'adversaire. Le match qui est relancé directement. 20% d'écart. Mm. L'avantage qui a été même repris par Arima. Complètement. Par s'adapter au match-up. Ok, le petit jab, voilà, on va en fait survivre son adversaire. Ça veut dire qu'on peut mettre plus de pourcentage. Attention quand même à ce rouleau. On va pouvoir remonter. Ça, c'était assez bien vu quand même de faire. Et là, le reste, ouais, c'est fini. C'est fini la stock. Elle était extrêmement bien vue. Après. Ah bah, ça fonctionne pour le coup. Un combo très fonctionnel sur le bout. Ouais, forcément, le petit backer. Ok, il trouve le Bouya, ça reset la game. On repart sur une stock de chaque côté. De la part d'Arima. Ça repart sur une stock de chaque côté. Et je pense que la petite taunt, c'était pour un peu donner du courage. Je pense que la taunt était trop là. Hein. Ouais, Ok. Oh. Oh, bien vu ça. Ça c'était assez intelligent de la part d'Arima. Ouais, complètement. Parce que s'il avait été envoyé hors du terrain. Il aurait pris encore 20%. Non, mais bon, attention quand même à ce rondoudou, il peut être punitif hein, sur. Faut faire très très gaffe parce que là rondoudou sur une bonne phase, rondoudou il peut vraiment te punir assez violemment. Et là regarde, tu vois, ok, peut-être le Bouya qui va les confirmer la game, ce sera pas encore le cas. On tente le smash, c'est compliqué parce qu'il y a le dernier de rondoudou qui va envoyer très très loin son adversaire, le rouleau qui va pas pouvoir l'empêcher de remonter. On a presque plus d'encre du côté d'Arima. C'est très très compliqué de son côté, le inkling. Oh là là, tu prends trop de risques. Ok, le backer. Ça va peut-être être maintenant qu'on va aller chercher la stock. Ce sera pas encore le cas, évidemment. On se prend pas ce side B parce que sinon ce serait meurtrier. Donc on aurait été obligé de tech. Ok, petit backer là-dessus. N'importe quelle option de kill va tuer. Ah bah là, des deux côtés, n'importe quelle option ça tue. Dansro ça tue pas parce que c'est la prochaine Dansro, c'est possible, ouais. Faut faire vraiment très très attention. Peut-être si on est en porture lurée ou on se. Oh, le fer. Ok, bien vu ça. Très partout, très bien vu. Arima qui égalise. Arima qui se laisse pas faire. Vraiment, il croit en Swing King. Et tu vas voir qu'il va garder le personnage vraiment tout le set. Bah, c'est de loin son meilleur personnage. Complètement. Et c'est de loin son meilleur. C'est son meilleur personnage. Alors c'est vrai que s'il taffe. Il taffe un Rob en ce moment, mais là vraiment le coup, là. Mais justement, je pense que lui non plus il sait pas. Je pense que lui non plus il sait pas. Exactement. Rob c'est quand même un gros cul. C'est quand même un gros lourdeau Rob. Et Sarico. Après il peut mixer Sarico avec Rob, mais t'as des trucs à faire quand on me bouffe. Complètement. Donc faut faire gaffe, mais en tout cas ce qui est cool, c'est de voir à quel point Arima il est confiant avec son personnage et surtout que ça paye, tu vois. Vraiment là il est sur une phase où il sait quoi faire avec son personnage. Bon, je pense que le non ban de il remonte pas. Oh, il remonte. Regarde. Hop là, et voilà, il remonte sur le stage à coup de 74%, mais quand même il est sur le stage et il arrête de se faire edgeguard. Là maintenant l'objectif c'est de rester le plus longtemps possible et de réussir à trouver des conversions pour toute cette stock. Mais non, putain, ce lag cette durée de frame de ce rondoudou, c'est insane, c'est infernal. Ok, on va monter tranquillement. Du côté de Jin, on est assez patient. On a loupé un grab, ok, très bien. Le petit Bouya qui va aller chercher la stock, très bien ça. Et là, on a Arima qui commence avec une fête d'avance sur la map de Jin. Complètement. Sur la map de Jin, exactement. Jin a joué beaucoup de fois ce soir. Je pense que c'est l'une des meilleures maps de rondoudou. Hein. Rondoudou, dès qu'il se fait zoner, c'est pas le même jeu. C'est ça, bien vu ça, mon petit backer. Bah disons qu'en fait, le contrôle du stage est extrêmement important vu que le stage est tout petit en fait. Et si t'as le contrôle du stage très tôt,
tu peux facilement gagner la game. Donc on publie là-dessus, il excelle un petit peu, évidemment le Bouya. Non, pas de Bouya, il y aura le Bakker qui va aller mettre 72%. Le Bouya à 1%, ça apporte pas beaucoup de dégâts, donc c'est pas vraiment intéressant. Mm-hmm. On va chercher les autres dans le combo, on va gagner notre alerte et des fers. De toute façon, il y a beaucoup de reste, mais alors celui-là, il a vraiment bien passé. Ça, c'est vraiment ça, Jin. J'ai l'impression que c'est un petit peu sa marque de fabrique. C'est-à-dire que, genre, vraiment pendant toute la game, il va faire des moves qui sont. T'as bien vu ça, le BO. Le Bouya, là. J'ai vraiment, c'est. J'ai l'impression que Jin, c'est un petit peu son truc en mode. Genre, il va faire des petits moves, tu sais, bah, classiques comme un rondouzou. Puis d'un coup, il va te sortir une combo, une tout reste. Et tu vas faire, ah bah, yes, super. Merci, merci à tous. Arima qui attend, une fois de plus, hein. Il est patient là, Jin. Il est patient, Jin. Il sait très bien ce qu'il faut faire. D'ailleurs, tu vois, il attend tout simplement que les backers y passent. Mais regarde, il y a ces splat shots hein, qui mettent pas mal de pourcentage. Il y a un qui en peinture sur l'adversaire. On va chercher très très loin avec ton Berry. Putain, pourquoi j'ai toujours ce pseudo? C'est Jin, putain. Je dis toujours ce pseudo, c'est un peu relou. On va remonter tranquillement. Oh, la bonne Rico qui a été trouvée par Arima. Ah, Backer. Ah, bien vu, Jin. Très très bien. 1-2. Oh là, je suis à ramasse. 2-1 pour Jin. Vraiment, le backer rendu sur Smash B, donc il devrait... Très très bien joué, très très bien joué, On va voir le choix de map d'Arima. Est-ce qu'on va repartir sur PS2? On va repartir. Il y a moyen qu'on reparte sur PS2, et c'est surtout que prochaine game... Je pense qu'en fait, là Arima, il peut partir. Arima, il peut aller sur une... Comment on appelle ça? Il peut partir sur une... Sur une troisième game, il peut emmener son adversaire sur une game 5. Ça va être difficile, mais c'est possible. J'aimerais bien qu'il l'emmène pour voir s'il banne finalement. Et je pense que s'il le fait, il faut bannir Smash. Parce que vraiment, la map est beaucoup trop petite pour laisser respirer. Parce qu'on veut pas laisser respirer Rondoudou. Et le problème, c'est que Smash Ville, ça nous empêche de nous respirer. Quoi. Bref, en tout cas, on continue devant, on met des très très bonnes phases avec le backer, plus le nerf, ça continue de faire les dégâts, plus le splat shot. Splat shot, évidemment, voilà, quand vous êtes en peinture virée, vous gagnez plus de. Vous accumulez plus de pourcentage. Attention quand même, le fer. Ça paraît compliqué. Sur... Aïe aïe aïe, bien vu, on n'a pas touché. On a pu remonter, on a tant qu'il a un peu dormi. Il a un peu dormi là, Arima, par contre, c'est un petit peu dommage. Arima qui est toujours prêt apparemment à cette phase là. Ok. Ok, très bien vu ça, on attend patiemment, on attend que le side B passe, donc ça veut dire que là on a plus que lumière. Et là par contre il y aura le drink down plus. Donner drink down sur le grab, c'est plutôt pas mal avec le 84%. Ok, petit bouilla, ça va pas tuer, très bonne DI. Vachement. Sur DR ça tue pas tout le bouilla vraiment. Complètement. Oula, il est descendu vite. Lui. Il a donné l'avantage du terrain avec cette descente à Rima. Super. Ça va pas tuer. Oh le petit. Ok, on peut aller chercher la stock hein, du côté d'Arima. Il suffit de pas grand chose, mais regarde, c'est quand même sans compter ce Jin. Il a pris 70%. Ah ouais, mais là il a vraiment du mal à tuer. Backstraw, ça va pas ça tuer. Toujours pas la très bonne DI de Jin. Ça commence à être compliqué hein, côté Arima là. On a vraiment. Il faut qu'on récupère la stock. Il arrive à jouer dans des zones où ça ne le tue pas en fait. Il se très bien sur le terrain. Il nous faut la stock. Il nous faut la stock maintenant du côté d'Arima, le smash de Rondoudou, très bien. Écoutez, ça c'est quelque chose que je vois très rarement, quasiment ça jamais. Shield, hein. Ça mine de rien, Arima a enlevé son shield, mais s'il laisse son shield, c'est le break shield. Hein. Complètement. Du coup, il avait pas vraiment le choix. En effet, il avait pas vraiment le choix, mais il aurait pu... Oh, faire d'autres choses, attention quand même à ce reste, là, aïe 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 aïe. Au moins on récupère une stock, mais là du côté d'Arima ça va vraiment être compliqué. Par contre, foutez de ma gueule. Avant de vous moquer de moi. La meilleure position. En vrai, il s'est dit bah. Ouais, quel enfant. Eh bah écoutez, bien joué à Jin du coup qui remporte 3-1 ce match. 3-1 Jin qui pourra aller chercher sa revanche contre Panda.